Bien, je voulais vous montrer l'évolution du champ de févrole que j'ai semé très en retard. Habituellement, on les sème fin novembre. Je vais vous faire voir le champ semé à la date optimale tout à l'heure. Et là, ce champ-ci a été semé fin mars, donc 4 mois après. Donc la culture est toujours décalée par rapport à l'autre. Elle est beaucoup plus petite, elle est deux fois moins haute. Elle s'exprime moins bien. Là, actuellement, on est en pleine période de floraison de celle-ci, que l'autre est déjà passée depuis 2-3 semaines. On a aussi quelques maladies. Voilà, là c'est piqué. Beaucoup d'attaques d'insectes. Ici, les feuilles sont à effet dentelle. Tout autour, on a des morsures. Moi, j'ai choisi de ne pas protéger avec des insecticides. Je me suis dit, compte tenu des dates de semis et du potentiel, que j'allais pas engager des frais de protection. Pareil, au niveau fongicide, je ne l'ai pas protégé, malgré qu'il y ait des pluies successives qui développent les maladies. Bon, la culture est malade. Et bon, je verrai bien. Là, je vous emmène tout de suite voir l'autre parcelle, mais pour celle-ci, bah, je suis plutôt satisfait. Il y aura de la fleur, il y aura de la gousse et il y aura de la graine. Donc là, me voici dans le champ semé à la date optimale. Vous voyez que donc la hauteur est deux fois plus importante. Les fleurs, il n'y en a plus. Elles ont laissé la place ici aux gousses. Voilà, future graine de févrole. On a 7-8 par gousse. Donc entre les semis, je vous ai dit, il y a 4 mois. Et puis là, au niveau du stade, il y a maintenant plus que 3 semaines. L'autre culture que j'ai semée très en retard tend à rattraper son retard. La culture, elle se dit, oh, les températures sont là, les jours s'allongent, je vais me dépêcher de faire la fleur et de faire la graine. Donc à la récolte, la différence de stade sera encore plus réduite. Je suis sûr qu'à la récolte, les deux champs vont peut-être être séparés, aller de même pas une semaine. Mais par contre, le potentiel ne va pas s'exprimer pareil. Je vais très certainement faire moins de rendement dans la parcelle que j'ai fait en retard.